Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne et Éternel sur notre campagne Total War Warhammer 3. Ahoy tout le monde. Alors ça c'est du tchèque, hein, mais vous ne le savez pas, Non. peut-être. Ahoy, c'est un salut pirate. Ahoy, Bon. Alors, l'épisode précédent s'est terminé un peu en autre boudin. J'ai mon ordi qui a un peu, qui a quelques soucis, fondu. fondu, ouais. Mais bon, j'ai réussi à régler le problème. Et donc, Eternel avait fini par s'emparer de Nagashizar, et il avait eu un peu peur pour son Strigoï, qui, au final, a survécu. Il n'a pas J'ai perdu perdu grand-chose. quasiment la moitié de mon armée et au final j'ai perdu Et un Graveguard et trois zombies. voilà, on pourrait éventuellement dire que la résurrection chez les morts-vivants, c'est un tout petit peu pété. On pourrait Honnêtement, le dire. j'ai aussi fait toutes les recherches que je pouvais pour augmenter les chances hein, Ah bon, d'accord. de Ok. Raise Dead. Hein, j'ai dépensé 5 points de recherche, enfin 5 recherches uniquement pour aller chercher un bonus là-dedans. C'est pas Voilà, fou. donc il est en bonne voie pour réussir son. Bah du coup maintenant je vais revenir vers l'ouest. Voilà, il va Clairement, revenir ça vers c'était l'ouest, prévu. ça m'arrangerait, pour être tout à fait franc. C'était prévu, je suis en route. J'ai juste une petite rébellion à me faire sur le trajet. Oh, Zaoming! Et tu veux revenir par là? Toi du coup tu vas rester là. Ben je vais lui en péter un autre. Campagne politique, comment. On lui donne tous plein de. Putain. Squitch est deuxième alchimiste de tuer. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quand il n'y a plus, bah. Réduction Alors ça fait quoi les d'accompagnement. Banshees? Alors ça, la tornade noire, on a vu que c'était assez efficace. C'était pas mal. C'était pas mal. Honnêtement, Donc, on a vu pire comme Vortex. je vais le doubler. Histoire que. Ah, tiens, je peux pas voir ce qu'ils font les héros sur la carte du monde. Si tu cliques sur la petite. Oui, mais ça tu peux pas, tu peux faire une fois que tu les as recrutés. Non. Ben si. En fait, ou quand tu les as disponibles en recrutement. Mais en Ah. fait, là j'ai la possibilité de construire un bâtiment qui me permettrait d'avoir des Banshees. Et le problème c'est que sur le tag des Banshees, je peux pas voir qu'elles font. Ah oui, d'accord. Certes. Alors là, je suis chez qui? Je suis chez Le lui. Nécromorgène, le Wheat King, c'est l'entraînement. Il me semble que les Vampiresses font le Magic Find. Logiquement, les Banshees devraient faire le déplacement. En Je toute saurais pas logique. te répondre. On va bien voir. De toute façon, on va le faire. Hop. Allez, qu'ils viennent. Qu'ils y viennent. Alors, Miao Ying devrait pas tarder à arriver. Je vais rester en embuscade. J'ai pas moyen de booster mon. J'ai pas des auxiliaires pour booster l'embuscade. Là, ça m'arrangerait en fait. Bien. J'ai plein de trucs pour assassiner. C'est amusant. Il y a un auxiliaire qui s'appelle le comptable et qui a comme effet d'augmenter les chances d'assassinat. Un comptable. Oui, c'est an accountant for the mob. C'est Ouais. les comptables de la mafia qui comptent les corps. Ah ouais, peut-être. J'imagine que ça doit être lié à ça. Mais Bon, je crains. Putain, j'ai trois auxiliaires différents qui me donnent plus de 10% de chance d'assassiner, quoi. ah, et bienvenue chez Echine. Oh, est-ce que. Le beau jeu de mots. Ah bon? Bah, C'est moi toi. qui ai fait un jeu de mots? Bah oui. Bienvenue chez Echine, bienvenue chez Echti. Ah, c'était absolument pas, mais D'accord. d'accord, si tu veux. Je ne vais pas te contredire. Je pensais. Non, non, ah non, absolument pas, c'est... Tu me déçois. Ouais, je suis pas très très en forme.
Vu mon état en ce moment, faut pas attendre du très très haut niveau de ma part. Il me faut un emplacement pour ça. Et le dernier emplacement, je vais le faire pourquoi? Pourquoi? Près de la peste. Non. Pour ça, éventuellement. Ouais, ça, c'est bien de le voir dans tous les. Donc, toi, je vais. Du Hop. la vergule qui me coûtait 3000, elle me coûte plus que 1800. Je vais le laisser là pour Bon, l'instant. et ben on va recruter une vergule. On va Alors. relever une vergule. J'ai. Est-ce que j'ai des. Ah oui, merde, j'ai une rébellion ici. Ah, j'ai Lokir. C'est carrément. Les elfes noirs. Alors. On va faire un petit échange. Donc, toi, t'es en mode Skrir. Je me trompe pas. Ouais, il te faut les équipes d'armes Skaven. Alors que toi, t'es en mode Eshin, si je me trompe pas. Avec les couleurs nocturnes. Oui, yes. Alors, équipe d'armes. Tu vas récupérer ça. Bon, bah comme ça, au Le moins je peux mortier faire. avalanche, enfin les mortiers à sphère de mort, c'est des équipes d'armes, tu penses? Non, c'est des engins, c'est comme les. Ah! Ah si si oui c'est des équipes d'armes parce que c'est plein de. Ils sont 8 je crois. Donc D'accord. c'est pas un engin de siège, C'est pas un c'est. engin de siège. Ok. Non, non. Là, j'ai un assassin des chines. Putain, la Vargulf me coûte aussi cher que que le Vargeist, quoi. Pardon, T'es désolé. soufflé. Je sais pas quoi prendre du coup. Parce que sinon j'ai trop de points bleus. Je vais avoir trop de points violets dans mon armée. Ok. Alors, toi, tu vas faire un comeback pour aller péter la rébellion. C'est un peu con, mais Ça c'est comme coûte ça. cher les Mortis Engine, deux points violets. C'est un peu l'objectif quand même, hein. Ça pique. C'est quand même pas un objectif absurde, hein, Non, mais fondamentalement. ce que je trouve dingue en fait, c'est que les catapultes de la peste coûtent un point violet aussi en fait. Ouais, je suis un peu d'accord. C'est presque ça en fait qui Alors, ceci dit, me. normalement, Tu ça. vois, non, le Mortis Engine c'est complètement pété, mais en fait, le truc c'est que du coup, je peux pas avoir et catapultes de la peste et les Mortis Engine dans mon armée quoi. Le truc, c'est que, en théorie, ça dépend du type de faction. Je crois que selon les factions, chaque type d'objet coûte plus ou moins cher. Enfin, coûte un certain type. Je me suis mal exprimé. Un certain type de. C'était censé fonctionner, mais ça Du coup, je vais fonctionne pas. faire ça comment? Non, je vais arrêter de dépenser Parce des que là, sous actuellement, je suis à ici. 5 sur 5 en violet. Toi, c'est fait. Attends, je vais prendre des Vargeist, c'est bien les Vargeist aussi. Tu Ça restes à vole. tout à jouer. Ouais, les Varghese, c'est des bonnes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cavalerie? Ouais, non, si je dois prendre de la cavalerie. Ah, le problème c'est que les Blood Knight et Black Knight. Les Blood Knight ça va me coûter du point violet aussi, j'imagine. La Spirit Host, c'est du point vert. Là, je peux faire un PNA Ça c'est intéressant par avec contre. Trog. C'est plutôt une bonne idée de faire un PNA avec Trog. Bon, j'ai deux Spirit Host. Allez, on va descendre à 6 zombies dans cette armée. Ouais, les Spirit Host.
Hop, allez, j'ai fini mon Ah, sympa tour. le bug. T'as de nouveau les Non. trucs de diplomatie? Je n'ai pas recruté ma Vargulf. Mais il m'a quand même augmenté mon cap Aïe! de créature rare. Alors ça c'est C'est-à-dire, moche. il me la compte alors qu'elle n'est pas dedans. Waouh! C'est abusé! Bon, bah peut-être que quand il va passer le tour, il va se rendre compte qu'elle est pas là, donc il va me foutre la paix, mais C'est dans quelle armée? là c'est l'armée Demon? d'Hellman. En fait, le truc c'est que j'avais commencé à la recruter, j'ai pas cliqué sur le bouton recruter, donc il avait augmenté le tick. Elle était dans le pool de Ah recrutement. merde! Et avant de recruter, j'ai supprimé deux zombies, ce qui a annulé le recrutement, mais en fait il a gardé le cap. Ah, Peut-être qu'en c'est passant spé, ouais. Bah écoute, moi le j'ai tour, il se fini. rendra compte qu'elle est pas là. C'est moche ça. C'est un peu. Ouais, ça fait un peu. Si ça me bloque là-dessus, c'est Ah chiant. oui, ça c'est. Bah, dans ces cas-là, je le désactiverai, je le réactiverai. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut passer 10 tours, je crois, entre deux activations. Le simple fait d'ouvrir par. Ah oui, ça bloque pour 10 tours? D'accord. Ouais, bon, ouais. C'est ça. After confirmation, setting won't be possible to change until cooldown of 10 turns passes. Étrange, ce. On évitera d'être tout pété en recrutement pendant ce temps-là. Eh bien. Quoi, je vais te rajouter C'est quoi? C'est une dans la rébellion boîte. Oui, c'est une rébellion qui a popé il y a plusieurs tours. à cause de la côté bas glacial. Tu penses que Désolation de Nagash, tu vas pouvoir le récupérer Tu vas essayer de le Quand négocier? j'aurai monté un peu Kazakazul, oui. Je pense que quand Karakazul sera niveau 3, je devrais pouvoir le faire. Là, actuellement, il veut pas parce qu'il trouve que c'est pas intéressant économiquement. En Ouais. même temps, Désolation de Nagash, c'est niveau 3. Actuellement, Karakazul est niveau 2. Donc... si j'arrive à le monter suffisamment haut, je pense qu'il y a moyen. Ouais. Bon, du coup, non, toi, tu vas rester là, on a dit. Est-ce que je peux recruter autre chose? Relever autre chose d'intéressant. Ah c'est bon, je peux récupérer ma Vargulf. Il a fallu que je change, il a justifié que je change d'armée pour qu'il me le mette à jour. Bon, et ben un Vargulf ou un Black Coach. Bah sur quoi est-ce que t'as le plus de buff? Ah sur aucun des deux. Aucun des deux? Bah ça j'ai des buffs sur les zombies. Sur les zombies et sur les unités éthérées. Donc je sais pas. Ouais, je vais dire Vargulf. Parce que ne serait-ce que les Vargulf, pour l'instant, je peux pas les recruter alors que les Black Coach, je peux déjà les recruter au pire. Allez, hop. Je te confirme Et que je. je vois la vergogne de ton arme. Oui, ben là, maintenant, elle y est. C'est bon. Hop, ça y est, à plus de sous. On peut passer. Oui, non, j'avais déjà regardé, je crois que. En diplo. Ah, je suis même plus en PNA avec Morse du coup. Ouais? Bah non, quand il a rompu l'alliance, ça a rompu tous les traités en fait. Et avec. Est-ce qu'avec Rictus. Bon, il fait la gueule parce que j'ai rompu mon alliance, mais bon. Il s'en remettra. Ou pas. Iskar Sneak lui tombe un peu trop fort sur la pouille. De quoi? Non, mais il s'en remettra, je parle niveau des relations diplomatiques. Ah oui. Non, non. Oh. Bah, le truc, c'est qu'il a pas que Skarsnik. Il a aussi Thorgrim et Ulgrim. Et les orques au nord. Et oui, donc il est pas très très bien entouré, Rictus. Je sais pas quelles sont ses relations avec Grimgor, mais c'est pas terrible non plus. Bah avec déjà en guerre contre deux orques. Bon, est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il viendra pas? Il a pas l'air de venir.
Ah, ça y est, j'ai le troisième. Moins 20 de croissance. Oh, et merde. Perte de vent de magie pendant 5 tours. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, oh, fait chier. J'ai eu la dernière étape du Whisper in the Dark. Ah. Trois que le gars le est prêt. Rébellion imminente, youpi. Bah d'accord. Bon bah je vais prendre ce... je vais perdre celle-ci. C'est un peu con. C'est un peu con. Heureusement qu'il est censé la défendre. Hein. Putain d'allié à la con. Je te jure. J'ai réquisitionné ton armée, toi. Ça va pas tarder. Allez. Demandez l'armée. Oh putain. Elle est toute pourrite. Chut. Fais chier, moi. Qu'est-ce qu'il en a fait? Zaoming, il a fait demi-tour. Ok. Oh, ça c'est très bien. Il a sorti. Ah merde. Est-ce que je l'attends? Est-ce que je l'attends pas? Je l'attends. Hop. Chine assassine. Bim, embuscade. Oh, comme c'est bizarre. In your face. Oh, quand même. Faire de la constitution. Hop. Ragre mutant, canon mal foudre. Oui, c'est vrai qu'il manque une unité ici. Alors, victoire à la Pyrrhus, je vais peut-être pas le lancer. Je vais me contenter de l'encercler, astuce. Stop kill death. Revenu provenant des raids. Alors là, on prend respecter le craint. Triade des Chines. Bon, j'ai boosté un peu les triades des Chines. Ouais. Ils ont plus 6 en attaque, plus 9% dégâts des armes. Normalement, ils devraient faire plus bobo. Je sais pas si pour autant ça va être la révolution, mais... Alors, ici... Tac. Va l'assassiner. Hop, et encore un comptable. Ralou de compagnie. Toi là. Là, je vais endommager les murs. Je fais une quantité d'actions. Bah ouais, mais t'as eu tous les héros. D'actions de héros. Ouais, mais habituellement, j'en fais beaucoup moins que ça. Ça doit te coûter du fric aussi. Ça me coûte un peu de fric. Des fêtes de justesse. Et puis, faisons des armes de siège. Et posons le siège. Mais là, à mon avis, je vais avoir droit à une sortie. À mon avis. Je vais faire lequel? Putain. Du niveau 2 au niveau 3 pour l'action blessée, tu passes de plus 12% à plus 21%. C'est pas ridicule, hein. Comme hausse. Bienvenue chez. Non, c'est sur les... Je pense pas que ce soit spécifique à Eshin, ça. Bah, en général, c'est pas... ça passe de 8 à 15. Pas de 8 à 21, mais... Non, là, c'était de 12 à 21. Alors... Où est-ce que je vais le mettre, Strott le galeux? Et comment je vais le développer?
Est-ce que je le laisse là-haut? Silent, silent. Oh, c'est quoi ça? Héros légendaire. C'est quoi ça? J'ai un héros légendaire qui est un gros Gorich qui ressemble à une sorte de raogre. Ça, oui, mais c'en est un de chez Mulder, ça. Ouais, c'est ça. Oui. D'accord, Ça donc c'est. me dit quelque chose. Et ben. Ah, et je peux retourner en PNA avec Morse. Ah, voilà. Bon, toi, on a dit Et que alors, de est-ce que toute tu veux façon, faire l'échange du coup? t'étais tout pourri. Non, moins 10,4. Pour l'instant, il veut pas. Allez, je vais te le mettre là, trotte. Attends, mais. Les héros que je recrute, ils sont niveau 1 seulement. Alors, comment qu'il me l'a développé? Ah, bah oui, normal, il m'a développé aussi que trotte. Avec les infiltrés, donc pour les coureurs nocturnes et les coureurs d'égouts. C'est Attends, parfaitement logique. toi, c'est ce que tu peux recruter le plus, si c'est peut-être adapté à toi. Hein. Non mais c'est n'importe quoi. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Bon, et ben on va le respect. Donc ça, c'est le. Moi, j'ai filé les catapultes. C'est un mode. Que j'ai que j'utilise quasiment tout le temps, justement pour éviter ce genre de merde, quoi. Là, on est quand même avec Trot. Trot, il est là pour faire du Mulder, il n'est pas fait là pour faire. Nourriture générée 1, c'est toujours bien. Champ de vision. Ça fait quoi? Remouler. Toujours plus de bouffe, on a tellement besoin. Le gars le. Invoque des unités rares. Alors moi par le jus de croissance, je vais pas l'avoir. Hein. En toute logique. Ah bah non, t'as pas C'est accès ça, au. ouais. T'as pas accès à l'atelier toi donc. Résistance aux projectiles, 5%. Ogre. Ogre mutant, horreur de la portée, ralou. Tac. Là, logiquement, 11. Bon, il n'a pas bien l'air de vouloir venir me voir. Donc, toi, on s'en fout. Toi, je vais me faire le dernier là. À 54% seulement. Comme j'ai réussi. Ah tiens, mes cités souterraines ne sont plus visibles. Mais bon, à savoir. Au bout d'un certain nombre de tours, ça s'arrête. Tac, trotte. Toi, t'as fait. Et je suis une assassine. Oui, là, ça siège. Ok. Bâtiment. Ok, fin de tour. Rébellion imminente.
ici. Ok, fin de tour. Ah, petite sortie. Petite sortie. Ça va être intéressant, ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En fait, c'est une vraie grosse armée. On va tenter. Ouf. Ouais. Ça va être compliqué. Ouf. Du monde? Il y a du monde. Mais j'aime bien le challenge. Il y a moyen de le faire. Hein. Je pense. Oh, il n'y a rien de... Voilà. Il y a rien de surpété. C'est Par contre, juste il est que. full vent de magie. C'est pas. C'est quoi? C'est une sorcière. Ouais, c'est une sorcière de quoi? Il a un sorcier de... Sorcier de feu. Non, non. Si, Oui, si, il a un il sorcier. y a celui qui a fait plein de dégâts là. Et un autre qui Oui, ça, c'est sa lord, effectivement, elle fait de la c'est magie de l'ordre. feu. Et son lord, l'autre, il a pas grand-chose, il a juste un... Armée que... Mais par contre, il a un compas. Ouais, ça fait quoi le compas? Alors, non, ah non, c'est vrai que le compas, maintenant, c'est des sorts liés. Donc, il a plus de sorts à lui-même, à lui, en fait. D'accord. Enfin, c'est une Il boussole de a guerre. une Celestial Lightning et Celestial Comet, dont il va falloir se méfier parce que ça a piqué. Mais il y a un peu de cavalerie. Il y a un, Après, deux. il y a pas de Celestial, Ouais. Il y a 6 unités de cavalerie. il y a une grue. Mais nous, on a plein de courants nocturnes, donc tu vas pouvoir. Ouais, mais il a deux lanternes. Ouais, oh. De lanterne, Bon, en fait, il y a que t'as. moi qui vais bosser. C'est ça. T'as raison. Et moi, je vais subir. C'est ça. T'es mignon, Tu faut mais. que tu tankes le temps que je démonte tout le monde. Alors fais gaffe que ces lanternes, ils vont te détecter. C'est bien ça qui m'emmerde. Qui m'embête. Ah, j'ai un terrain qui est plutôt favorable. Se caler là au centre entre les deux. Ouais, alors le contournement, il va être sans pitié. Entre les deux piliers. Bah, contournement, j'ai deux lanciers plus des. Il a 6 ou 7 unités de cavalerie, hein, 6. donc Il a 6 unités de cavalerie. Mais j'ai deux lanciers, j'ai les. Comment? Les trucs avec hallebarde. Unité de renom. Le truc, c'est que j'ai pas grand-chose à contourner. Si, Le j'ai mes truc, c'est que du coup, catapultes. t'as que dalle pour tes arènes, quoi. T'as 4 unités de guerriers des clans, quoi. J'ai 4 unités de guerriers des clans, c'est parfait. Ah, ceci étant, ça peut être pas mal. Si t'arrives à canaliser effectivement toute sa piétaille au milieu, tes catapultes et tes sorts, ils vont faire un Les carnage. catapultes et les sorts peuvent faire le Mais. taf. Hein. Et sachant que lui, il a pas d'engin de siège, à part ses deux Ouais. lanternes. Si, il a la boussole de guerre. Oui, mais c'est pas un engin de siège. Ça tire pas la boussole. Je sais pas. Je crois que ça fait juste que booster et avoir deux sorts liés, c'est tout. D'accord. Non, non, Ok. c'est pas un canon ou une lance-fusée. Ok. Bon. Non, mais ça va être chaud, hein. Si on perd, bah on perdra. Et puis. Sachant que c'est une sortie. C'est une sortie, voilà. Donc. Oui, donc au pire, tu t'enfuis, quoi. C'est ça. Tac, tac, tac. Oui, donc sachant qu'il faut que je fasse gaffe à ces saloperies de lanternes. Bah, c'est à qui elles vont te détecter. Ouais, donc ça sert à rien que je me mette dans son dos, sachant que je ne peux de toute façon pas me mettre dans son dos. Si, je peux me mettre dans son dos, mais je vais me faire défoncer. Bah, tu vas pas te faire défoncer, c'est juste que Ah bah si, parce qu'il va me foncer dessus. ça va les attirer. Oui, il faut que tu restes à distance, quoi. Oui, mais à distance dans son dos, je peux pas. Il n'y a pas beaucoup de... Je suis dans le coin de la map, hein, dans son dos, Ouais. donc... Si... Plus à distance, je sors de la carte. D'accord. Je peux pas vraiment me mettre sur le côté. Ah, ou alors sinon,
Je me mets derrière dans la montée là. Ça peut... Ce serait peut-être mieux en fait. Je peux me mettre éventuellement sur un côté, par contre, ça c'est faisable. Moi je vais peut-être me mettre. En fait, je peux peut-être me mettre là. Ce serait peut-être mieux. Bah, ça réduira un peu, je pense, les. Alors, c'est le truc, c'est que là, tu vas sortir quasi immédiatement, mais. Ouais. Le truc, c'est que moi, si je me mets là, je peux te garder un flanc de Alors dans ce ces. cas-là, je pense qu'il faut que tu te mettes de l'autre côté, toi. Je pense qu'il Plutôt faut de que... l'autre côté? Bah oui. Mets-toi de l'autre côté parce que sinon il va venir vers moi en fait. Si tu te mets là où tu t'es mis installé pour l'instant, il va aller sur le côté est de la carte et du coup il va te détecter automatiquement. Tandis que si tu te mets tout au nord, tu peux le prendre à revers. Avec tout le monde qu'il y a, si tu veux, il aura vite fait de. Ouais, je vais peut-être plutôt faire ça. Bon, de toute façon, dans tous les cas, il va me détecter, donc Tac. bah après, ça dépend. Si tu te mets entre les deux gros rochers, dans ce cas-là, Ouais, je vais me mettre entre les deux gros rochers. donc tu restes pas au milieu, ok. Donc du coup, je me mets pas là. Là, il va me détecter, c'est sur moi qui a foncé, pas sur toi. Mais toi, Plutôt ouais, mets-toi pas, de voilà. façon à couvrir C'est ta ça. ligne pour éviter qu'il Ouais. te contourne, en fait. C'est ça. Si Bah, il me tu vois, contournera pas. Il me il va peut-être pas contournera me détecter d'aussi loin, j'espère. pas. Je pense pas qu'il va me contourner, hein, franchement. Connaissant l'IA. Ouais. Bah, au pire, moi je serai sur le côté pour éventuellement essayer de le prendre à revers ou de le disperser un peu son armée quand il m'aura Fais détecté. gaffe qu'il reste l'assassin. Oui, je sais, j'ai vu. Allez, je lance. Ça fait du monde. Ça fait un peu du monde. Alors, là, il y a trois cavaleries à droite quand même. Il y a du monde. Alors du coup, elle est où sa lanterne? Non, non, la lanterne ça tire pas. Hein. Dans le Il a combat, tu veux dire? une charge, le compas, il a une charge pour ses deux sorts et c'est tout. D'accord. Alors, après, il booste les lanceurs de sorts en leur faisant Elemental Mastery et booste des recharges, mais. Et une fois qu'il aura lancé ses deux sorts, il fera plus grand-chose, quoi, en fait. Ouais. J'ai pas suffisamment joué Katai pour bien savoir ce que ça donne. Tac. Vous allez là. Et le chef, il va là. C'est parti. C'est parti, je mets en x4. Recule-toi peut-être encore un peu. Oui, c'est parce que je vois qu'il est en train de se diriger vers moi là donc. Oh, 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 le x4 Yeah. que tu sens efficace. Deux paysans, un Jad Lancer, trois hallebardiers. Oh, il n'y en a pas un seul qui a des boucliers là donc. Ah si, il y a ces Jad Lancers qui ont des boucliers de mon côté. Il va bien se masser pour passer les guets là. Ouais. Je sais pas si tes catapultes sont à portée, mais. Non, je suis trop lent. Je suis pas très lent. Ouais, je suis beaucoup, beaucoup trop lent. Attends. Faut réfléchir quand même. S'il leur fait faire demi-tour là. C'est vrai que ça, c'est tentant. De quoi? Je reconnais que c'est tentant. De t'arrêter là maintenant et de commencer à tirer? C'est ça aussi, je suis à portée. Sur le petit groupe. Après, si t'avances encore un peu, eux ils vont se retrouver ralentis le temps de passer la truc, ils vont encore plus se serrer. T'as le temps de continuer à reculer à mon avis. Mais bon. Non, parce que là, je peux déjà tirer en fait. Là, je dirais à gauche parce qu'il y a trop d'arbres à droite, à mon avis, tu risques de perdre des projectiles, mais. On est en x4 là? On est en x4, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Si tu ne le ressens pas, c'est peut-être normal. J'ai l'impression qu'on était en x0,5 là, c'est pour ça. Je
Comme disait Arnold, la douleur n'est qu'une simple information. Je vais envoyer une invoque sur ces martyrs de Grimm derrière là. Oh putain. Il y a trop Donc de là, on n'est pas en pause là, ok. Alors, c'est bien, il commence à claquer ses sorts sur tes. Voilà. Il est en train de se défoncer ses troupes pour te pourrir unité d'invocation. Ah bah, en même temps, il l'a bien pourri, mais. Putain! Ouais, bah, il s'est. Il a défoncé ses Helgunner. Oh, défoncer, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot. Oh, il a du mal. Je pense que la valeur en pièces détruites de son côté est beaucoup plus grande sur les unités de son côté que du tien. Bah, damage dealt as gold value 209 chez toi. Je pense que ça a coûté beaucoup plus cher chez lui. Et boum! Un Jade Warrior en moins. Ouais, en effet. Et ça dure longtemps sa tornade, hein? Elle est encore en effet là. Ouais, ça... je suis pas sûr que ça me rassure. De Dieu, ça dure combien de temps ce truc? Ça fait... 46 secondes? The fuck? Bon, je sers pas à grand chose pour l'instant. Moi. Mais je te rassure, j'ai pas l'impression de faire grand chose non plus. Ça va arriver, ça va piquer. Je vais faire une autre invoque. Ah, il la laisse derrière carrément, ça, la sorcière. J'ai pas des petits archers à porter là, si. Hop, artilleur de canon grue par exemple. Ce sera très ouais, bien. Ceux-là, ils pourraient te faire chier parce qu'ils ils sont déjà à portée là, ouais. Ouais. T'es sûr qu'il a pas prévu de te contourner parce qu'il fait quand même, il a quand même vraiment de bien se décider de. Peut-être que Il si, a quand hein. même vachement décidé à le faire. Hein. Il a l'air assez décidé à le faire, on est bien d'accord. Mais. Oui! Oui! Bien dans l'enfilade! Bon, j'envoie l'assassin en backline. Pour essayer de choper son héros ou des trucs des ouais. Unités qui traînent. Enfin, c'est que j'hésite un peu à foncer dans le tas là, avec mes Gutter Runners qui sont quand même nombreux. Tu as déjà tout ce qu'il a déjà perdu alors qu'il n'est pas encore arrivé au contact. C'est marrant, il va dans la forêt. Si, si, il a clairement prévu de me contourner. Il a suffisamment d'unités pour le faire. Mais vas-y, hein. Ah, ouais, le problème, c'est qu'il a surtout de la cavalerie là. Il a 3 cavaleries, 2 archers, 1 halbardier. Ouais. Ça va piquer. Ça peut se faire, mais ça va piquer. Bon, après, c'est sûr qu'il y a 2 paysans. Hein. Il t'a vu. Non, il a vu mon héros. C'est le héros qui l'a repéré. Et le héros, il a des bons ninjas. Hop. Oh putain. Enfin, normalement, s'il veut bien. Ça lag tellement qu'il veut pas. Bon, allez, je vais attaquer parce que ça. Ouais, vas-y. Bon, son infanterie se fait laminer. Ceci dit, moi, mes lanciers se font aussi laminer. J'ai mis en... Enfin, j'essaie de mettre en pause. Ouais, après, c'est quoi? Je commence à être proche de sédentaire, en fait, c'est pour ça. Je vais reculer mes lanciers. Je vais mettre juste mes... Tiens, j'ai ça qui arrive. Gâcher ça. Ah, ou alors sur. Bon.
Qu'est-ce que ça a donné sur les canons grues là? Il a fait back plein de monde, d'accord. Tac, tac. Je crois qu'il a aussi prévu de te contourner par le sud, mais il faudrait lui expliquer qu'il n'y a pas de chemin. Il y a deux unités de cavalerie au sud, je sais pas ce qu'elles foutent, mais... En même temps, c'est l'IA, hein, il serait capable de sortir de la carte et de te réapparaître dans le dos. Hein. J'ai déjà vu le bug, ça, de passer les unités qui passent à travers le décor. Bah, nous, avec Akatsuki, on avait vu un bug, mais tellement énorme. Une embuscade qui avait complètement foiré. Parce que y avait juste une. Enfin, la carte était complètement. C'était Ah une oui, mais grande. moi j'ai eu ça sur début de campagne avec le haut elfe, celui qui a la prison là, je sais plus comment il s'appelle. Eltharion. Eltharion, voilà. C'était premier combat contre des orques sauvages. Je m'étais placé de façon à avoir un flanc complètement protégé. Et tous les orques avaient traversé le décor. Il y avait de la flotte, hein. Tu les voyais descendre une falaise. Traverser de l'eau pas dans laquelle ils n'étaient pas censés pouvoir passer et arriver dans mon dos là où ils n'étaient pas censés pouvoir passer. Ah non, mais nous, on ne pouvait rien faire en fait. C'est... Mes catapultes se font défoncer à coups de tir. Ah oui, mais bah ça, putain, son héros est parti de l'autre côté, chier. Parce qu'il y en a quand même beaucoup des archers là-bas. Ça, si, bah, il faut que je fasse des sorts, quoi. Ouais, mais mon héros, il aime pas ça non plus. Ceux-là, ils ont pris cher. Parce que mon Cette héros, cavalerie c'est paysan, elle se fait casser en mon deux. lord, c'est un peu une grosse cible, quoi. Je prends Bah écoute, cher, c'est que moi cher. je me fais shooter par ses lanternes. Je me fais shooter le maître assassin par ses lanternes. Je sais pas s'il va pouvoir faire grand-chose, lui. Avec son lord qui reste au fond là. Je vais essayer de voir si je peux choper son héros, son sorcier. L'artigret de fer, merde. Il va se faire défoncer ton héros, ton maître assassin. Bah, insiste pas, hein. Si Ah tu... bah oui, mais le problème c'est qu'il s'est fait choper par des lanciers, donc ça va être difficile de pas insister là. Je vais essayer de lui claquer une boulette ninja. Ciao. Bon, j'ai englué ce qui te contournait, mais je sais pas si je vais Non, pouvoir faire mais grand chose. on va pas y arriver, hein. Je lui Ah aurais oui, fait. monsieur, je te confirme. Il aurait fait mal, mais il a trop de tireurs en fait. Tu lui auras fait mal. Je lui aurais fait mal, mais lui aussi. Mais ce sera pas suffisant. Et ça sera pas suffisant. La question c'est du coup, est-ce que je fuis pour économiser les points de vie? On va peut-être le coup en Ou est-ce fait. qu'on essaye quand même? Parce que le truc c'est que là, comme je suis englué, je fais quand même pas grand-chose. Ouais, on va fuir. On va fuir. Là, je vais pas y arriver. Lui aussi, il va se faire Et défoncer. là, moi je suis complètement englué, je lui Allez, fais rien en fait. C'est... on lâche. Retraite. Boulette ninja! Allez. Lui, il est en fuite. Je vais essayer si je peux lui péter au moins une ou deux unités Oui, si je c'est ça. peux. Lance tes propres sorts très bien sur tes propres troupes. Excellente idée. Je vais essayer quand même de lui péter un maximum d'unités. Moi, j'ai fait retraite généralisée. Ouais, ok. Ouais. On va limiter les pertes. Pourquoi je ne peux pas faire de retraite? Peut-être parce que c'est des groupes. Non, moi je sélectionne tout le monde. Je Moi je fais. peux pas aller withdraw. C'est peut-être parce qu'ils sont. Je sais pas parce qu'ils sont au CAC, je sais pas. Bizarre. Cassos. Ah si c'est bon, cela je peux.
Cela je peux pas. Cela je peux. 4. Cela je peux pas non plus. Hop. Donc j'ai un groupe qui est en fuite. Ah, le deuxième est en fuite aussi. Et le troisième est en fuite aussi. Ok, c'est bon, mes ordres de fuite sont donnés. Ok, moi ça commence à sortir. Mais le problème c'est que... Bah, c'est l'avantage, c'est que du coup t'es proche du bord, donc c'est tu fuiras rapidement. Mais cassez-vous, condomine. Moi j'étais pas très loin non plus. Et l'avantage c'est même en fuite, ils continuent à tirer les gutter runners. Pas du tout pété comme unité. Non. Bon, c'est bon, j'ai fait sortir tout le monde. Ah mais j'ai pas eu le temps de finir, tu viens moi. Bah, il y a peut-être le moral qui est tombé. Bah, au bout d'un moment, on était plus que 3 sur la carte. C'est ça. Ouais, bon. Ouais, c'est un peu un draw. Hein. Ouais. Alors, t'as fait un peu plus de dégâts que lui. Ouah, catapulte, dégâts infligés 18438. Mmh. Coche. Ouais, là, là j'étais quand même placé idéalement. Hein. C'est... Ouais. Non, non, mais c'est... T'as bien vu de me dire de. La de map était à ton avantage, mais ils étaient vraiment trop nombreux. Ils étaient vraiment trop nombreux. Je pouvais pas faire. Bien. Bon, on va arrêter l'épisode là. On fait des bisous les gens. Et bisous. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.